Bonjour. Il s'est tenu donc ce jour un conseil des ministres qui a débuté à 11h30 pour finir à 13h35 au palais de la présidence. Pardon, que je récupère mon bloc-notes. Oui, à 13h35 au palais de la présidence, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait 16 mesures générales, au rang desquelles je peux citer 4 projets de loi et une ordonnance, et 11 projets de décret et 8 communications. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un conseil qui était essentiellement tourné vers la résolution des problèmes d'actualité. Ainsi, donc, au titre du ministère du Transport, par exemple, nous avons eu un projet de loi 6 décrets, soit un ensemble de 7 textes qui ont été examinés. Au titre du ministère du Commerce, nous avons eu une ordonnance, 3 décrets et une communication, soit un ensemble de 5 textes. Et au titre du ministère de la Construction, nous avons eu un décret et 3 communications, soit un ensemble de 4 textes. Je voudrais donc à présent vous faire le compte-rendu de ce conseil. Et comme je vous l'ai indiqué, nous avons eu à adopter des projets de loi. Le premier projet de loi, c'est au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora. Au titre de ce ministère d'État, le Conseil a donc adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement rapide et efficace des épaves dans la zone économique exclusive de notre pays. La ratification de cette convention contribuera à améliorer la sécurité du trafic maritime, notamment dans les eaux qui sont sous notre juridiction, et d'accroître ainsi donc corrélativement la fréquentation de nos ports. Au titre du ministère du Transport, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de l'aviation civile. Ce nouveau dispositif renforce les capacités de supervision de la sécurité et de la sûreté des inspecteurs dédiés, régis à l'utilisation des aéronefs télépilotés, appelés communément drones, et étant les pouvoirs de l'investigation du Bureau d'enquête sur les accidents et incidents de l'aviation civile, le BEA, et durcit également donc les mesures de coercition en vue de permettre à l'État de répondre efficacement aux exigences de sécurité et de sûreté de l'aviation civile internationale. Au titre du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi modifiant la loi du 27 décembre portant régime juridique de la presse, c'est la loi du 27 décembre 2017, donc portant régime juridique de la presse, et un projet de loi portant modification de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi modificatifs visent à prendre en compte et à assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants des communications publiques, dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant. Il s'agit ici notamment des activités de communication audiovisuelle et de production d'informations numériques diffusées par Internet et autres canaux multimédia qui sont insuffisamment prises en compte par la législation et de ce fait échappent au contrôle des différentes autorités de régulation du secteur de l'information et de la communication, notamment l'ANP et la ACA. L'ANP étant l'Autorité nationale de la presse et la ACA, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Ces différentes modifications permettront de soumettre tous ces contenus audiovisuels à la production d'informations numériques diffusées notamment par les acteurs d'Internet. On pense notamment aux blogueurs et aux différents activistes ou influenceurs. Donc il s'agit ici de les inciter au respect des principes généraux de l'information, de la communication.
Il faudrait également, du point de vue de cette loi, protéger les mineurs contre les connus susceptibles d'affecter le développement physique, mental ou moral, et de prémunir le grand public contre certaines infractions courantes telles que l'incitation à la haine, à la discrimination ethnique, sociale ou religieuse, à la xénophobie ou à la provocation publique. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 3 de l'ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la concurrence, telle que modifiée par l'ordonnance du 8 mai 2019, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance permet au gouvernement de réglementer les prix des biens, produits et services de première nécessité ou de grande consommation, notamment dans les secteurs d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou de dispositions législatives ou réglementaires ou de difficultés d'approvisionnement. Je vais à présent vous faire le compte-rendu des différents décrets qui ont été adoptés. Là, il s'agissait des lois et ordonnances. Et pour ce qui est des décrets qui ont été adoptés, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la diaspora, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis pour la promotion et la protection réciproque des investissements. L'accord prévoit notamment le traitement équitable des investissements, le libre transfert des capitaux et des revenus, ainsi que la possibilité de recourir à l'arbitrage en cas de différend lié aux investissements. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 6 décrets, je vous l'avais annoncé en introduction, à savoir un décret portant modification des articles 7, 9 et 10 du décret du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la supervision de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. Un décret autorisant les amendements aux programmes nationaux de sûreté de l'aviation civile. Un décret relatif à l'interception des aéronefs civils dans l'espace aérien au-dessus du territoire terrestre et maritime de la République de Côte d'Ivoire. Un décret portant modification de l'article 2 du décret du 8 août 2012 déterminant les contraventions en matière de circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes et aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et les sanctions applicables. Un décret portant approbation du programme national de facilitation du transport. Et enfin, un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de sûreté et de facilitation de l'aviation civile. Ces 6 décrets introduisent de nouvelles normes qui renforcent, conformément aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, la réglementation interne existant en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile. Ces nouvelles mesures améliorent notamment le dispositif de protection de l'intégrité de l'espace aérien, ainsi que l'ensemble des services qui concourent à la qualité du transport aérien. Elle prévoit en outre des mécanismes de nature à prendre en compte avec célérité et efficacité les évolutions et changements des normes et procédures qui interviennent notamment dans le domaine de la sûreté, l'aviation civile. Vous savez que notre aéroport a été certifié en 2018 et l'ensemble de ces textes nous permet de renforcer le dispositif qui fait de notre aéroport un aéroport qui soit sûr, qui réponde à toutes les normes de sûreté et de sécurité en termes donc d'aviation civile. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique de la parcelle de terrain d'une superficie de 540 hectares dédiée à l'activité industrielle dans la commune de San Pedro.
les détenteurs de droits coutumiers et de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation selon la réglementation en vigueur. Aussi, et comme vous le savez, dans le cas de déclaration d'utilité publique, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, et tous travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur cette zone sont interdits. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec donc les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret fixe la liste des produits et services soumis à la réglementation de la concurrence et des prix. Suite aux concertations entre le gouvernement et les associations de consommateurs tenues sur la hausse des prix sur les marchés et après avis de la Commission de la concurrence, ce décret actualise la liste des produits et services dont les prix sont réglementés par le gouvernement. Il accroît le nombre des produits réglementés en vue de contenir l'évolution à la hausse de certains produits de grande consommation et de préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Sont donc prises en compte la farine boulangère, le pain baguette, le poisson, la viande de bœuf, celle de mouton et de porc, l'huile de table raffinée, le riz local, les matériaux de construction, les tarifs du transport, les loyers de maison pour habitation sociale, les tarifs publics de l'eau, de l'électricité, des télécommunications, les tarifs d'accès aux services d'Internet. Le deuxième décret institue une autorisation préalable à l'exportation de tout produit vivrier à destination de l'étranger, et ce, en vue de préserver les produits de grande consommation au marché intérieur. L'objectif est d'assurer un approvisionnement régulier des marchés et de stabiliser corrélativement les prix de ces produits agricoles locaux destinés à la consommation des populations. Il s'agit, pour vous donner quelques exemples, de la banane plantain, par exemple, qui est très prisée donc hors de nos frontières, du riz local, de l'igname, ou du manioc et de ses dérivés, notamment la tchéké, ou du maïs et également de ses dérivés. Le troisième décret, quant à lui, porte sur le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation pour une période de 3 mois, tant à la production qu'à la distribution. Il s'agit notamment, pour ce plafonnement des prix, du prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, du lait, des pâtes alimentaires, de l'huile de palme raffinée, de la viande de bœuf, et quelle que soit leur dénomination commerciale. Toutefois, les commerçants, en vertu donc du libre jeu de la concurrence, peuvent pratiquer des prix, mais qui soient en deçà du plafond fixé. Ces nouveaux prix, bien entendu, pourront être consultés en annexe du présent décret qui sera publié dans le journal officiel et sur les différents sites auxquels vous êtes habitués, donc le site du porte-parole, celui de la primature, celui du CICG. Je voudrais à présent aborder avec vous les communications qui ont été adoptées par le Conseil. Et au titre du ministère de la Justice, des droits de l'homme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la campagne des candidats des experts ivoiriens aux organes des traités des droits de l'homme des Nations Unies. La Côte d'Ivoire présente 5 candidats qui sont M. Diané Hassan au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, CDESC, M. Delbé Zirignon Constant au Comité des droits de l'homme, CDH, Madame Yuli Bikone Clitentio Marguerite,
au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, CDF, Monsieur Alfred Kwasi, au Comité des droits des personnes handicapées, CDPH, et Monsieur Mel Alain Didier Latte, au Comité des droits de l'enfant, CRC. Les différentes échéances électorales auxquelles prendront part ces candidats ivoiriens sont prévues dans le courant de cette année 2022. Au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat 2021. La ministre du Plan va donner des informations relatives donc à ces résultats préliminaires, mais le Conseil a été informé donc que ces premiers résultats sont disponibles en attendant donc que les résultats définitifs consolidés soient publiquement annoncés. La mise à disposition de ces résultats globaux sera faite au mois de mai 2022. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux communications. La première communication est relative à la souscription de l'État de Côte d'Ivoire aux actions d'Africa Finance Corporation, AFC, une institution multilatérale financière panafricaine créée en 2007 en vue de stimuler le développement du secteur privé en Afrique. Cette opération devrait permettre à notre pays de mobiliser davantage de financement auprès de cette institution pour la réalisation de projets structurants. La deuxième communication est relative au compte rendu de l'édition 2021 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UMOA en Côte d'Ivoire. Cette opération, dont la dernière phase s'est tenue le 3 février 2022, a consisté à l'évaluation du niveau d'application de 116 réformes et politiques communautaires et en l'examen de l'état d'exécution de 15 projets et programmes communautaires en cours. Relativement à la mise en œuvre des réformes et politiques communautaires, la revue a enregistré un taux moyen de mise en œuvre de 82,57% contre 82,07% en 2020. En matière de gouvernance économique et de convergence notamment, notre pays a progressé de 2,6 points en passant de 83,08% en 2020 à 85,68% en 2021. Concernant l'état d'exécution des projets et programmes communautaires, la revue a ressorti un taux moyen d'exécution physique de 81,4% en 2021 contre 77,30% en 2020 et un indice de performance de 49,56% en lien notamment avec le retard dans les décaissements et la suspension des travaux relatifs à la mise en œuvre de certains programmes et projets communautaires en raison donc de la COVID-19. Globalement, à l'exception du domaine des réformes sectorielles, la revue a noté les efforts importants du gouvernement. Aussi, le Premier ministre a-t-il réitéré à cette occasion la volonté de l'État de Côte d'Ivoire et l'engagement du président de la République à œuvrer activement à la mise en œuvre des réformes et à l'approfondissement de l'intégration régionale. Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une série de communications et je vais vous en donner les détails. La première est relative à l'effondrement de deux immeubles à Abidjan. En effet, le dimanche 27 février 2022, un immeuble R+6 en construction, c'est-à-dire au stade donc des grosses œuvres, s'est effondré dans la commune de Trècheville. Le bilan de cet effondrement, malheureusement, s'établit à ce jour à 7 décès, 20 blessés et des dégâts matériels, notamment les bâtiments voisins qui ont été endommagés lors
de l'effondrement et qui a rendu donc certains de ces bâtiments totalement inhabitables. Également, le lundi 7 mars 2022, un immeuble R+4 en exploitation, c'est-à-dire habité, s'est effondré dans la commune de Cocody-Engrais, 9e tranche. Le bilan de cet effondrement s'établit à ce jour comme suit, hélas, à 6 décès. 30 personnes secourues, dont 13 évacuées dans les formations sanitaires, et de nombreux dégâts matériels. Il est important de noter qu'aucun des deux bâtiments effondrés ne disposait de permis de construire. Dans le cas du premier bâtiment, il avait reçu déjà des notifications, donc après la visite des différents responsables de zone, notamment à Trècheville, d'arrêt de travaux. Trois notifications avaient été faites et au moment où l'immeuble s'effondrait, donc les travaux étaient arrêtés. Il faut noter qu'en dépit du dispositif législatif et réglementaire en vigueur et des campagnes récurrentes de sensibilisation qui sont menées, le phénomène des effondrements d'immeubles persiste en raison de la violation constante des normes de construction et d'urbanisme mis en place pour garantir la qualité des bâtiments, la sécurité des utilisateurs et la protection de l'environnement. Aussi, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue de renforcer l'action de contrôle des constructions et de réprimer ce phénomène. Je vais vous en donner quelques-unes, mais bien entendu, le détail de ces mesures sera disponible dans le journal officiel où sera publié ce communiqué. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À ce titre, je voudrais vous indiquer que pour les deux communes concernées, les chefs de zone de ces deux communes ont été suspendus de leurs fonctions. Et comme vous le savez, tel que c'est indiqué dans notre code de procédure pénale, en cas de d'homicide, une instruction est automatiquement ouverte. Et pour l'heure, je peux vous informer que les deux propriétaires de ces deux immeubles ont été interpellés. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté une communication relative aux mesures de lutte contre la vie chère au titre de l'année 2022. En effet, pour faire face à la problématique de la hausse des prix de certains produits, notamment des denrées alimentaires de grande consommation liées essentiellement à la réduction de l'offre de différents produits et à la forte augmentation des cours mondiaux du pétrole brut, qui ont impacté négativement les coûts internationaux du transport, le Conseil a arrêté des mesures à exécution immédiate, à court terme et à moyen terme, en vue de lutter de façon efficace contre la vie chère et de préserver le pouvoir d'achat des populations. Dans l'immédiat, le Conseil a autorisé le subventionnement partiel du prix des produits pétroliers tels que le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, et cela a demandé un effort de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Au titre de ces mesures, il faut noter le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Il s'agit
toujours au titre de ces mesures, de l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. On note également l'interdiction, sauf autorisation du ministre du Commerce et de chargé de l'exportation, donc je disais de l'interdiction, sauf autorisation du ministre du Commerce, de l'exportation des produits vivriers de grande consommation, notamment la banane, le manioc et ses dérivés, attiéké, plakali, etc., l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs. L'allocation d'appui financier aux acteurs du secteur du vivrier afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. Le lancement exceptionnel par le ministre du Commerce et de l'Industrie de 3 mois d'une campagne de vérification des instruments de mesure. Et enfin, toujours pour les mesures immédiates, du renforcement de la surveillance et du respect de l'affichage des prix des produits réglementés. À court terme, le lancement d'un projet pilote avec les coopératives du vivrier dédié à l'acquisition de 15 à 25 véhicules de transport de 20 tonnes, d'un coût unitaire d'environ 80 millions, pour le transport de produits vivriers en vue de faciliter l'approvisionnement des marchés à bas prix. La réalisation de 3 marchés de gros à Abidjan, à Daloa, à Bengourou et de 12 marchés de relais. De la réalisation de 50 marchés ruraux de proximité et enfin du démantèlement des barrages illégaux. À moyen terme, le Conseil a adopté des mécanismes de nature à augmenter de façon durable l'offre de produits agricoles et de protéines animales et halieutiques afin de couvrir les besoins des populations. Il s'agit notamment de la modernisation de notre agriculture et de notre production animale et halieutique avec le recours à l'irrigation, à la mécanisation et aux engrais de façon à assurer la disponibilité en toute saison des produits vivriers. À l'issue donc de ces points inscrits à l'ordre du jour, des points de divers ont été évoqués. Le Conseil a entendu une communication de M. le Premier ministre sur les conclusions du dialogue politique. Le Conseil s'est félicité de la tenue de ce dialogue politique qui a été franc, qui a été ouvert, et le Conseil s'est félicité donc du rapport final qui a été adopté. Ce dialogue a été inclusif avec la participation de 21 partis et groupements politiques et de 26 organisations de la société civile. Le Conseil s'est surtout félicité de la courtoisie dans laquelle s'est déroulé ce dialogue et de l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui a été préservé tout au long de ces échanges. Le Conseil a été informé donc d'une mission du Premier ministre, donc c'est le deuxième point de divers, à Washington. Et enfin, le prochain Conseil des ministres a été programmé pour le 30 mars 2022. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis à votre disposition pour d'éventuels besoins en éclaircissement, donc de toutes ces mesures qui ont été adoptées au cours de ce Conseil des ministres. Je note qu'il n'y a pas de besoin d'éclaircissement sur les décisions du... Oui, je vous en prie.
Bonjour, François Humer. Une question très technique. Vous avez dressé la liste donc des produits qui rejoignent la liste des produits dont les prix sont contrôlés. Est-ce qu'on peut savoir quels produits étaient déjà sur cette liste et quels produits sont nouveaux, si possible? Merci. C'est vrai, c'est une question très technique. On avait une liste d'environ 4 produits qui étaient concernés, comme par exemple, je dirais, le carburant, qui faisait partie de cette liste de produits plafonnés. Il y en avait 4 initialement. Et je voudrais rappeler, ça, ce n'est pas forcément un détail, que cette liste avait été établie en 92 lorsque le président Ouattara était Premier ministre. Aujourd'hui, donc, on revient avec un élargissement donc, de ces produits qui passent à 21. Et donc, c'est cette liste que je vous ai donnée. Mais le ministère du Commerce pourra vous donner la liste détaillée des produits qui étaient concernés donc, depuis 92 par ce plafonnement des prix. Mais c'était essentiellement des produits de première nécessité. Et j'ai cité le carburant et le gaz, effectivement, notamment le gaz donc, qui est utilisé dans les ménages, le gaz butane, qui faisait partie de ces produits plafonnés. Monsieur. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Legenda de Articei.info. Monsieur le ministre, je voulais revenir sur le plafonnement des prix dont vous avez parlé. Je voulais savoir comment le contrôle va se faire. Parce que ce n'est pas le fait de plafonner le prix, c'est le respect de ces prix-là. Et puis, de deux, au dernier conseil, on avait parlé de la cherté de la vie. Vous nous avez invités dans les supermarchés. J'y ai fait un coup, mais j'ai trouvé des produits périmés dans ces grandes surfaces-là. Comment le contrôle pourrait se faire pour ne pas que les Ivoiriens soient intoxiqués? Merci. Je m'étonne que ce soit au cours de cet échange que vous dénoncez des produits périmés. Le ministère du Commerce a des numéros verts et quand vous me parlez de contrôle, je peux vous dire que le premier contrôle est citoyen. Les prix sont annoncés. C'est aux Ivoiriens de pouvoir dénoncer tous ceux qui ne respectent pas ces prix. Et le ministère du Commerce a des numéros pour pouvoir donc dénoncer le fait que ces prix ne soient pas respectés. Et le deuxième contrôle est administratif et je vous ai dit qu'il y avait une campagne exceptionnelle de contrôle des instruments et des prix qui allait se faire. Donc vous avez deux niveaux de contrôle. Je parlais d'un premier contrôle qui est citoyen et c'est notre responsabilité à chacun de nous. Et je voudrais vous rappeler que je n'ai pas invité les Ivoiriens à se rendre dans les supermarchés. J'ai invité les Ivoiriens à faire leurs achats là où les produits sont le moins chers. Après, on peut prendre des raccourcis, mais ce que j'ai dit est très net. Et ça aussi, ça fait partie du comportement citoyen. Pour le reste, ce que vous avez dénoncé est très grave, notamment l'existence de produits périmés qui met en péril la vie des citoyens. Et vous auriez dû très vite, saisir les services du ministère du Commerce pour que la vie des citoyens ne soit pas en danger. Bonjour Monsieur le Ministre, Christelle Pierre de TV5 Monde. Toujours concernant la cherté de la vie et la hausse des prix, personnellement j'ai l'impression que donc les mesures que vous avez annoncées sont des mesures à court et moyen terme, puisque vous avez donné notamment un contrôle des prix sur 3 mois, c'est ça, des prix fixés sur 3 mois. On a vu cette mesure prise à de multiples reprises depuis notamment la crise du Covid. Est-ce qu'il y a d'autres mesures à plus long terme pour essayer de limiter l'inflation et la hausse des prix, dont on a l'impression qu'elle est un peu récurrente ces derniers mois, ces dernières années, qui sont prises par le gouvernement, s'il vous plaît? Alors, il y a les situations conjoncturelles dont il faut tenir compte. L'une des premières situations conjoncturelles, c'était la crise de la COVID-19. C'est le monde entier qui en a été victime. Il s'en est suivi, donc, un peu partout, une forme d'inflation. Et je voudrais rappeler que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, cette inflation a été maîtrisée à moins de 4%, là où certains pays étaient à plus de 10, voire 15%. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures qui ont permis à notre pays
de pouvoir contrôler cette inflation due à la situation conjoncturelle, la COVID-19. Nous avons une autre situation qui intervient, qui, elle, dépend essentiellement de la météo. On sait très bien qu'en cette période qu'on pourrait appeler période de soudure, c'est la saison sèche, certains produits manquent sur le marché, notamment la tomate, et ça crée une forme d'inflation. Toutes les femmes de ménage, toutes les femmes qui vont marcher savent très bien qu'il y a une certaine période de l'année où certains prix de produits augmentent. L'une des mesures à long terme, c'est de faciliter la production de ces produits sur toute la période de l'année en favorisant donc l'irrigation, et je l'ai annoncé donc au cours de cette conférence de presse. Nous avons une situation conjoncturelle avec les sanctions qui ont été prises, notamment contre le Mali, qui reste notre troisième producteur en matière donc de ressources animales. Et inévitablement, cela a entraîné donc une hausse donc du prix de la viande, notamment la viande de bovin et de d'ovin, sur nos marchés. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de situations conjoncturelles qui ont pu favoriser l'augmentation de ces prix. Et la responsabilité du gouvernement, ce n'est pas de venir expliquer simplement les raisons de ces augmentations, c'est de prendre des mesures pour pouvoir juguler ces augmentations. Donc, je vous avais certainement raison quand vous dites que vous avez l'impression qu'on annonce chaque fois des mesures, mais chaque fois, c'est des situations conjoncturelles différentes et nous sommes obligés d'adapter notre dispositif à ces situations conjoncturelles. La dernière situation, et ce n'est pas la moins importante, c'est la crise en Ukraine avec une flambée du prix du pétrole qui a atteint son plus haut niveau aujourd'hui, qui avoisine les $140 le baril. Vous imaginez toute la répercussion sur l'économie mondiale. Et notre pays anticipe en prenant des mesures pour pouvoir juguler cette hausse très probable du coût de la vie qui est une des conséquences de la crise en Ukraine. Voilà l'ensemble des mesures que nous avons prises. 3 mois, c'est pour servir. Déjà, pour ce qui est de la situation météorologique, à partir de juin, on retrouve les saisons de pluie, on retrouve notre production agricole, on retrouve la présence de certains produits donc, sur les marchés. La loi de l'offre et la demande donc, agissant, ça peut faire réduire les coûts. 3 mois, peut-être que la situation donc, peut s'améliorer en Ukraine et que le monde va moins s'affoler sur au niveau économique. Donc, voilà un peu. N'oubliez pas que nous sommes dans une économie libérale et nous ne pouvons pas prendre de façon permanente ces mesures, ce qui serait donc une intrusion donc, de l'État dans le cadre donc, de la libre concurrence. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre donc, à votre préoccupation. J'espère vous avoir satisfait. Merci. Pierre Dipomelin, NCI. Alors, je voudrais poser une question sur les effondrements. Et saluer la mise en place de la brigade mixte qui implique justement les mairies qui sont plus proches des chantiers qui ont cours en ce moment. Alors, ma question c'est, quand est-ce que cette brigade mixte va voir le jour? Est-ce que c'est immédiatement et c'est combien de temps devons-nous attendre vu que c'est quand même quelque chose qui est très attendu par les populations? Déjà, il faut savoir qu'une plateforme existait entre le ministère de la construction et les mairies et les districts. Donc, il s'agit essentiellement d'une activation de cette plateforme-là qui permet un échange plus régulier entre le ministère de la construction et les différentes collectivités locales. C'est des mesures urgentes qui seront mises en place. Il y a eu une rencontre le mardi matin présidée par Monsieur le Premier ministre avec les collectivités locales donc d'Abidjan, les mairies d'Abidjan, et c'est une des conclusions de cette rencontre-là que je vous ai donnée. Donc des mesures énergiques et urgentes sont prises pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Mais ce que vous me permettez de vous dire, c'est que le ministère de la Construction agit énormément
dans le cadre du respect de la réglementation. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est maintenant qu'on a ces effondrements, mais je peux vous dire qu'avant 2020, il y a eu beaucoup d'effondrements. Mais le ministère a agi et le ministère lui-même a détruit certains édifices. Donc certainement que nous aurions eu plus d'effondrements si le ministère n'avait pas agi. En 2020, c'est un bâtiment qui a été détruit, mais en 2021, c'est 51 bâtiments qui ont été détruits. Et aujourd'hui, en 2022, au premier trimestre, c'est 5 immeubles qui ont été détruits. Donc vous voyez, le ministère fait un travail, mais il est important que le citoyen que nous sommes, donc, puisse respecter les règles qui sont en vigueur. Et pour cela, chacun de nous doit pouvoir y contribuer. Alors, c'est vrai que quand j'appelle chacun de nous à y contribuer, ça me permet de vous dire que le ministère de la Construction a un numéro vert, qui est le 1378, sur lequel donc certains citoyens donc appellent déjà pour dénoncer certaines constructions qu'ils jugent illégales, et les experts du ministère vont sur le terrain et puis voilà, ils arrivent à faire leur travail de contrôle qui peut se terminer par des démolitions ou alors par une régularisation donc administrative de ces immeubles qui sont en construction. Alors je pense que nous avons évacué toutes les questions relatives au résumé du Conseil des ministres. Je peux prendre des questions d'actualité s'il y en a. Sinon, je vous souhaiterais un bon appétit. Je suis heureux de vous souhaiter un bon appétit à chacune et à chacun. Merci.